jeu vidéo qui vous présente un nouveau jeu spécialement truc pour garçons, bien sûr. Dans Serpentman, tueur de poney. C'est comme si qui, les, tous les chevaux de les de comme les beaux poneys, mais aussi les licornes et les pégases ont reçu leur pire ennemi juré, les serpents. Comme les serpents contre-attaquent, mais aussi les serpents se déchaînent. Et en plus, c'est un combattant de. Le titre, Serpent tueur de poney. Tout commence l'histoire dans une maison où vit un inventeur de jeux vidéo. Il regarde la télé tranquillement. C'est son jour de congé, qu'il regarde avec quoi d'autre comme télé. Il y a un truc de animé, les Asuka poney. Et qu'est-ce qu'il dit? En plus, il déteste ça depuis qu'il était comme petit garçon. Il dit, ah oh non, pas les boules de poils. Et quand ça recommence sur la publicité, genre plusieurs fois, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est pas vrai, les boules de poils sont partout. Et quand soudain, il a une idée. J'ai une idée pour se venger. Alors, il va dans son là où il travaille, il invente un nouveau jeu pour en créer un, et là il dit, ça y est, j'ai fini. Et oui, maintenant la surprise uniquement pour les garçons. Pour commencer sur le jeu de game, toutes les personnes, garçons et filles, sont bienvenues ici, et voilà leur spécialement du jeu. Ici, c'est le côté des filles, et l'autre, c'est le côté des garçons. Et c'est là que le nouveau jeu se trouve là-bas. Et que ça signifie que voici le nouveau jeu appelé Serpent Tueur de Poney. Comme si les garçons essayaient de se venger contre ces boules de poids, bien sûr. Eh bien oui, parce que c'est ça que le créateur veut dire. Pour commencer, comment ça marche, il faut payer une pièce 1 ou 2 euros, là, en haut et en bas. Et résultat, une fois que c'est installé, on est placé parce que c'est tranquillement. Et oui, on est placé ici, là. Et voilà le nommé Serpent Man avec son robot mécanique. Mécanique en plus. Et son but, c'est de. Quand il y a des. On est par ici, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre ses canons sur ses bras et hop, pff, des lasers. J'ai envie de dire. Tire de laser de venin. Et là, il veut dire crève les crève boules de poils. Et oui, les trucs coups de tir laser, ce sont des bombes explosions. Et c'est parti. Et là, c'est le jeu commence. Et voilà le but. Voilà le tous les nez. Et voilà entre cheval, licorne et Pégase. Il doit tirer dessus. Son but est de tirer tout. Et pour finir, vaincre aussi une boss ou aussi une boss finale. Avec une licorne ailée, plutôt dire, avec mélanger de cornes et de pégase avec de cheval. Et résultat, il faut tirer dessus pour la vaincre. Gagné! Et ensuite, on a commencé ça donc un nouveau score. Ça veut dire, prenez ça les boules de poils. Une fois que c'est gagné, et la machine à côté, il y a un des points de gagner un chèque. Et résultat, parce que c'est un coup de tir, il faut tirer encore. Quand il y a encore une boule de poil d'un poney, et hop, et c'est gagné. Parce que grâce à ça, on gagne toujours. Et après, une fois que c'est fait, on reçoit le score. Vous voyez, la machine là, on va en gagner un super le score là, du chèque. Et voilà, le chèque est sorti. Et voilà l'énorme du chèque aussi. Voilà le super 999 999 999 euros. Voilà. Un gros chèque énorme. C'est un super prix. En tout cas, tout le monde est ravi.
Et grâce à ça, ce jeu, ça gagne. Il faut qu'on continue à gagner. Et après, on reçoit un chèque. Et voilà, le prix. Et il faut, c'est le score du chèque. Et résultat, on est riche. Fin d'histoire. Un super de jeu vidéo pour massacrer ses chevaux comme ça. Comme si les garçons peuvent se venger contre ces boules de poils.